Moi, je me reprochais ça des fois, mais je disais, c'est pas parce que c'est pas écrit dans la loi que vous avez le deuxième test, vous êtes obligé d'accepter certaines conditions. Là. La loi, c'est la loi. La balance, là, c'est marqué dans la loi, on va te garocher dans le verre, on va y aller. C'est après l'hiver que la rivière est gelée, tu n'iras pas, hein, on va faire d'autres choses. Mais ça, c'est pareil, là. Faut pas que c'est pas marqué dans la loi, puis là, quand le droit de refus est arrivé, puis tout ça, là, les représentants en prévention, nous autres, dans le temps, on avait tout ça chez nous, on avait tout négocié ça, ben avait ça. Vous aviez eu un droit de refus dans votre convention collective avant la loi? Oui. Ah. Non, pas dans la convention. Mais c'est pas dans la convention? Non. Puis quand la loi, le droit de refus, on l'a fait en avance, nous autres avaient. C'est que vous l'exerciez par votre rapport de force? Oui. Nous autres, le matin, là, je regarde des fois, là, avec un exemple, ben niaiseuse. Il y avait, en dessous de la terre, là, tu sais, ça descend 900 pieds. Puis là, après ça, tu t'en vas dans la galerie. L'eau qu'on avait pour boire en dessous de la terre, c'était dans le tuyau plastique qui partait de la surface, là, qui descendait dans le puits. Puis quand les gars avaient soif, on allait boire. Ouais, c'était tuyau-là. Donc, il y avait peut-être quoi, une pouce 1300 pieds, là, que l'eau avait passé dedans, là, là, puis c'était pas buvable, là. Fait que là, les gars, ils ont dit, ça nous prendrait de l'eau. Ben beau. Fait que je demande au capitaine, je dis, on pourrait-tu avoir une fontaine comme il y a ici, à 20 décembre, où les gars, ils allent boire des fois, une petite fontaine. Hein? Pas question de mettre ça en trou de terre, puis mais l'eau est froide, elle est bonne là-dedans, puis ben, les gars qui boivent à 20 décembre. C'est bien, correct, demain. Parle de ça à Doré. Ah, Doré, ouais, le capitaine m'en a parlé. Mais il dit, pas pour se mettre à jeter le sang en dessous, à cause des dynamitages, puis le brossage. Les gars, ils ont dit, puis, par après, c'est que ça fait pour l'eau. J'ai dit, ils veulent pas mettre tout. Mais j'ai dit, si on prenait, il y avait des bouteilles de liqueur, dans le thème des canettes, là, tu sais, qui étaient dedans. Puis au gars, c'est le matin, quand le boss vient vous dire, OK, on s'en va au chef pour descendre. Chacun prendrait sa bouteille, il dira, on va passer à l'abreuvoir, on va la remplir. Pour avoir de l'eau fraîche en dessous. On est 750 gars qui descendent, là. Pour du temps, on a-tu remplir tout ça, là. Et là, il m'a donné une bosse criée. Le capitaine sort de son bureau. Qu'est-ce que vous faites là? Puis ça, mais je dis, Rolin, tu veux pas lui installer une fontaine en dessous? Les gars veulent pas. Ils sont tannés de boire de la cochonnerie. Ben, ils refusent de boire l'eau au bout de la pipe, là, puis ils se remplissent une bouteille ici. Deux jours après, la fontaine est installée. C'était un droit de refus, ça, tu sais? Oui. C'est ça, c'est que de gagner des choses dans une législation, c'est excellent parce que ça les assoit. Mais ça ne change pas le rapport de force. Ça ne change pas la nécessité d'un rapport de force qui soit maintenu, parce qu'à un moment donné, même la loi ne sera pas appliquée si on est. C'est souvent ça que, dans le mouvement syndical, il y a des gens qui, parfois, ils pensent ah, ben ça, là, c'est écrit à cette heure. Ouais, c'est écrit dans la loi, pas de problème. On n'a pas besoin de se battre. On n'a pas besoin de le négocier, c'est dans la loi. Ouais. Qui c'est qui avait dit ça, à un moment donné, là, ça avait été décrié de tout bord de côté, mais quelqu'un disait une loi, c'est fait pour être violée. Là, mais les lois, là, une loi, ça fait vivre qui une loi? Les avocats, ça, quand même, quand on regarde ça. Là. Puis, d'autres, la loi, puis. Surtout l'été, quand tu faisais beau, là, beau soleil comme un matin, mais l'été, là, quand il y avait de quoi régler sous terre, ça serait de l'impôt. C'est pas ça que c'est d'assemblée. Moi, j'arrivais au chef ce matin, je dis au gars, bon, ben, il y a telle affaire à régler, mais là, la compagnie veut rien savoir. Des fois, c'est un détail, mais ça prendrait peut-être juste un petit peu. Le gars ôtait le chapeau, il crissait sa terre, ça se fasse, ça se faisait dessus, puis il disait, va régler le problème, qu'est-ce que tu as réglé, tu viendras nous le dire, on descendra. Là, c'était le président, il faut que je le voie. Hein? Le président, t'as encore arrêté? Ben, non, je lui ai dit que je devais régler ce problème-là. Le gars a décidé d'attendre, voir si ça se règle. Il va avoir la réponse. On réglait nos affaires.